Alors bonjour les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. J'aimerais partager avec toi aujourd'hui quelque chose de bien, ok? Donc, on a fait un peu de tourisme, je suis à Québec précisément et je voulais te montrer un peu à quoi va ressembler un de ces collèges qui va dorénavant accepter les étudiants internationaux gratuitement, ok? Donc, reste scotché, on va regarder ça ensemble juste après le générique. Alors, nous sommes donc à Québec City. Comme vous l'avez entendu, je suis venue pour vous présenter ce collège. On va donc parler du cégep de Limoilou, ok? Alors, mes petits Canadiens, sachez que le cégep de Limoilou est l'un des plus vieux cégeps au Québec. Créé en 1967, ce cégep a près de 45 programme. Donc, il est réputé pour avoir de merveilleux programmes en technique. Donc, vous y retrouverez technique de l'informatique, technique du génie mécanique, technique de l'hôtellerie. Il y a tellement de programmes. Comme j'ai dit, 45 programmes. C'est donc un cégep qui est habitué aussi à recevoir les étudiants internationaux. Si vous allez dans le site, dans leur site, vous allez directement vous rendre compte qu'il y a une page dédiée pour aider tous ceux qui veulent venir étudier au cégep de Limoilou, mais qui viennent de l'international. C'est un très grand cégep. Je vais te montrer à quoi il ressemble. Et vraiment, je peux te le dire, il est très, très, très grand. Tiens, je vais tourner la caméra et puis je vais parler en te montrant ça. Alors, voilà donc où commence le cégep de Limoilou. Je suis, je répète, dans la ville de Québec. Comme tu vois, il est très très grand et c'est normal parce que 45 programmes, c'est pas rien, c'est pas rien. Il faut suivre les étudiants et tout, fait que c'est tellement grand. On a l'impression que c'est tout un building quoi. Trois niveaux et tout et puis c'est gigantesque, c'est merveilleux. Et voilà un peu à quoi ressemblent les maisons autour. Et je pense qu'il y a des bus, parce que je pense qu'il y a des bus ici à Québec dont les étudiants peuvent très bien se déplacer avec les bus. Je peux aussi dire de ce que je constate de cette ville, c'est qu'elle est vraiment estudiantine. Okay? Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes africains aussi. Parce que je suis sortie hier et je pense que les gens sont vraiment très jeunes ici encore, comparé à Montréal, ok? Fait que ça peut être une très bonne ville pour toi qui veut venir étudier au Canada. L'autre chose aussi, c'est que tu es loin de Montréal, tu es loin de distractions. Ok, donc je vais retourner la caméra, mais je vais d'abord te montrer l'entrée principale. Oh my God, c'est tellement beau cette entrée-là. On dirait, je sais pas moi quoi, le palais de quelque chose. Est-ce que you feel me? Que vous sentez quelque chose. J'aime bien cette petite ville. C'est très calme. C'est agréable à vivre en fait. Mais il faut savoir aussi que à Québec, il fait plus froid. Je veux dire quoi, la température. Il fait plus froid que Montréal. Ça veut dire que là maintenant, à Montréal, il ferait plus chaud qu'ici en ce moment. C'est ce que j'ai remarqué dès que je suis arrivée. Mais laissez-moi ça. On va d'abord regarder ce merveilleux cégep, l'entrée. Oh, Seigneur. Ouh, c'est tellement beau, c'est tellement grand. Je vais tourner encore la caméra. Alors, je suis donc à Québec City. Je te disais que c'est une très belle ville estudiantine. Et de ce que je remarque quand même, comparé à Montréal, vous aurez quand même une vie un peu plus paisible ici. J'ai l'impression que Québec, c'est quand même une ville pour la progression, pour les familles. De ce que je remarque, ce n'est pas trop bruyant comme Montréal. Les familles, il y a beaucoup plus de familles et des familles jeunes comme toi qui veulent venir étudier. Donc, ça serait un très bel endroit où tu vas venir étudier, mais tu pourras aussi progresser de manière personnelle, ok? Tu pourras faire ta vie tranquillement. Ne t'inquiète pas. Si c'est pour les blondes, comme on dit ici, là, tu vas en trouver, ok? Tu vas en trouver parce que je suis sortie hier et puis j'étais juste comme, waouh!
y a beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup d'étudiants ici surtout. Et je pense que la plupart, le cégep de Limoilou doit être le favori parce que je suis émerveillée par ce building. Je suis sûre que là-dedans, il y a beaucoup de choses positives qui en ressortent. Je ne connais pas quelqu'un qui étudie ici. Et peut-être si toi, tu étudies ici, tu peux me contacter. On pourra faire une interview pour discuter avec les gens, pour que tu donnes ta propre expérience. Ça peut aider les gens. En tout cas, j'adore ce soleil, ce matin. Alors, comme tu peux le voir, on a plusieurs arrêts bus juste en face du collège. Preuve que les bus fonctionnent très bien. Fait que voilà un bus là, un arrêt de bus. Et voilà un deuxième. En fait, c'est juste pour celui qui part dans le sens opposé. Mais je voulais te dire que je pense que le système de transport fonctionne très bien ici. J'aurais bien voulu savoir combien ça coûte. Je ne pense pas que c'est pareil que Montréal. Ça doit être un peu moins cher que Montréal. Parce que je vais vous dire que Montréal, c'est quand même une ville un peu chère comparée aux petites villes à côté. Okay? Je suis juste sortie hier et juste avec les prix, j'ai pu comprendre que ce n'est pas du tout pareil. Fait que c'est aussi une bonne chose de vivre un peu dans les villes reculées. La chance, c'est que le budget est tu as un peu plus de marge. Alors regarde, ici, on a 4 bus. Donc, c'est un arrêt, mais 4 bus. Fait comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, pour connaître quel bus choisir, bien évidemment, tu utilises Google Maps. Donc, tu tapes l'adresse et Google Maps va te dire quel bus tu dois prendre, quelle direction, quel sens. Peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer exactement comment est-ce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que les débuts, ce n'est pas évident. Hein? Donc, voilà, on a 4 bus. Terminus, Montagne des Roses, Station des Roses. Et voilà l'arrêt. Très propre, très bien. Comme ça, tu peux attendre ton bus tranquillement, ok. Et autour, on a de belles maisons. Comme ça, demain, toi aussi, tu pourras t'en acheter une. Donc, je vais faire une autre vidéo dans la pause pour vous montrer comment investir au Canada dans l'immobilier. Je vais un peu me concentrer sur cette chaîne parce que je sais que ça peut aussi aider notre communauté pour construire quelque chose de solide dans ce pays. Il faut qu'on commence à penser entrepreneuriat. Fait que je vais me concentrer sur la chaîne La Pause parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui m'écrivent concernant cela. On va un peu s'intéresser plus à l'entrepreneuriat. Si tu penses que ce sujet peut t'intéresser, abonne-toi sur ma chaîne La Pause, ok? Abonne-toi! Alors, j'ai eu l'habitude de prendre les bus pendant 8 ans. Non, pas 8 ans. Je pense que pendant mes 3 années de collégiale, j'étais une habituée des bus. Fait que ça fonctionne bien, c'est correct, c'est encore correct. Mais j'ai aussi l'impression que ici à Québec, beaucoup de gens ont les autos. Je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que les arrêts bus ne sont pas fréquents comme à Montréal. Et c'est normal parce que c'est une petite ville comparée à Montréal. Okay? Ça ne peut pas être pareil. Écoutez, le nombre d'habitants à Montréal comparé au nombre d'habitants ici, c'est sûr qu'on ne va pas s'attendre à ce que les bus s'arrêtent à 10-15 minutes comme chaque 15 minutes comme Montréal. Mais je pense que si tu programmes bien tes choses au départ, ça va aller. Et après, comme je dis toujours, il y a beaucoup de voitures d'occasion au Canada. Fait que tu pourras t'en acheter une qui pourra te permettre de te déplacer facilement. Parce qu'il faut aussi se le dire, à Québec, les choses sont à côté, ok? Comparé à Montréal, une fois de plus. Donc, à Québec, tu vas taper une adresse, on va te dire 5 minutes, on va te dire 10 minutes, 15 minutes. À Montréal, le plus souvent, c'est 40, 35 minutes, fait que c'est pas évident. Et si tu aimes la marche et que tu as la chance de trouver une maison à côté, c'est bien. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Ici à Québec, je remarque, surtout ici à côté du cégep Limoilou, je remarque que les maisons, tu as vu tantôt, j'ai filmé les maisons, n'est-ce pas? Ils font beaucoup de ce qu'on appelle colocation. Ça veut dire qu'ils louent beaucoup le sous-sol de leur maison aux étudiants. Alors, l'ami de mon mari chez qui je réside actuellement, il le fait très bien. Il est juste derrière le cégep. Et c'est ce qu'il fait. Fait que quand vous allez arriver, ne vous attendez pas aussi forcément à vivre juste dans les buildings. Les étudiants vivent aussi dans les sous-sols. Et on a la chance au Canada que le sous-sol est haut. C'est
c'est pas mauvais du tout. Okay? Je vois les gens qui m'ont dit, oh, le sous-sol, bon, vous savez pas peut-être à quoi ça ressemble un sous-sol, mais je sais pas si l'ami de mon mari va accepter que je monte sa maison. Je pense pas parce que les gens vivent là-bas, c'est quand même une zone privée. Il faudrait qu'ils demandent aux locataires. Mais sachez que le sous-sol est très haut, c'est pas différent, ok? C'est pas différent vraiment de la ruelle. Donc, comment trouver un logement au Canada? On fera de ça une autre vidéo, clairement, parce que sinon ça va être trop long. Mais sachez que ne vous attendez pas forcément à louer dans un building et tout, ok? Les maisons font beaucoup de ce qu'on appelle les colocations. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur, la meilleure manière pour un étudiant de pouvoir économiser. Parce que quand tu es étudiant, il faut réduire les frais au maximum. Quelqu'un m'a dit qu'on dit au minimum. En tout cas, bref, il faut réduire les frais. Moi, je dis toujours que pendant que tu es étudiant, c'est le meilleur moment pour toi d'économiser. Une fois que tu es marié avec tes enfants, si tu n'as pas économisé pendant que tu es étudiant, étant marié, tu ne feras rien de bon, tu ne feras rien de concret. Fait, commence à développer cette énergie-là, commence à développer ce mode de vie-là. Et tu vas voir que tu pourras... Ça va devenir comme une habitude, ça va devenir comme normal pour toi. Fait que, on va parler plus de business et d'entrepreneuriat dans la chaîne La Pause. Fait que, reste scotché. Abonne-toi sur les deux chaînes si tu ne veux rien rater, si tu veux réellement profiter du système canadien. Alors, je sais que vous allez me demander comment faire une admission. C'est si facile, les amis. Une seule chose, et c'est la même chose dans tous les cégeps, va dans le site faire tes propres recherches parce qu'on ne peut pas tout dire ici. OK? Fait que va dans le site. Il y a un onglet étudiants internationaux. Ça te présente tout ce que tu dois savoir pour venir faire tes études dans ce cégep-là. Et en même temps, ne me demandez pas aussi, moi je veux faire tel programme, est-ce qu'avec le baccalauréat c'est possible? Moi je veux faire tel programme, est-ce qu'avec... S'il vous plaît les amis, je suis ici, si c'est facile, je vous présente les lignes directives. Vous devez quand même un peu faire plus de recherches pour vous. Et je vous ai déjà dit, quand ça concerne les admissions dans les cégeps, n'importe quel cégep, il faut aller dans le cégep. Il faut regarder les conditions d'admissibilité pour chaque programme parce que ça diffère. Je ne peux donc pas retenir tous les programmes au Canada et je ne peux non plus vous dire que effectivement ça va marcher, ça va pas marcher. En réalité, il faut déposer la demande d'admission pour le savoir. Et avant de faire ta demande d'admission, regarde toujours les conditions parce qu'au moins au Canada, on a la chance que tout est clair. On te dit effectivement qu'est-ce que tu dois avoir pour entrer dans un programme. Alors, peut-être pour faire sciences infirmières, on va te dire il faut avoir telle note en biologie. Pour faire informatique, on va te dire il faut avoir telle note en mathématiques. Donc, viens regarder, entre dans le programme, entre dans le site du collège pour effectivement savoir si tel programme est mieux que l'autre. Mais je vais aussi t'inviter à regarder ma première vidéo parce que je t'ai dit qu'il y a des conditions, n'est-ce pas, pour pouvoir fréquenter gratuitement au Canada. Tu dois être dans l'un de ces programmes qui sont en pénurie au Canada. Fait que ne choisis pas aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas venir étudier, Stell est là pour vous aider à trouver de l'emploi au Canada. La bonne nouvelle, c'est quoi? Je suis très heureuse de vous dire que la formation est prête, les amis. La formation est prête, so go. Je vais lancer une promo pour les, je vais pas dire pour les. Alors, elle est ouverte pour je ne sais pas combien de temps encore, mais il faut faire vite, les amis. Fait que je t'attends. Vous me l'avez longtemps demandé. Vous m'avez dit, Stell, je veux venir travailler, mais je peux pas. J'arrive pas à comprendre le processus. J'aimerais bien que tu me coaches. Eh bien, vous étiez nombreux à poser cette question. J'ai pensé bien de faire la formation. Fait go les amis, go, allez-y, prenez votre coaching. Comme vous allez voir dans le titre, je vous montre comment trouver de l'emploi au Canada en une semaine. Je fais une autre vidéo pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer cette formation. Et vous allez comprendre que le processus marche.
Alors, change ta destinée en prenant cette formation. Et pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, j'ai pensé à vous aussi. Je vais te montrer comment avoir une carte de crédit virtuelle. Ça peut aussi aider ceux qui veulent venir étudier ou pour payer vos permis de travail en ligne. Fait que je pense à tout pour vous. Alors, je vais donc te laisser ici. J'ai été très contente de parler avec toi et je suis d'ailleurs très contente d'avoir enfin terminé cette formation. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Je vais vous raconter tout ça en détail dans une autre vidéo. So, smash-moi le bouton rouge si tu ne veux pas oublier ça. Abonne-toi si tu veux tout connaître sur les actualités au Canada. Abonne-toi si tu ne veux rien rater et si tu veux rapidement réaliser ton rêve canadien. C'était dans votre gueule, c'est facile. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!